numéro 6, page 21. Depuis 6 ou 7 ans, je participe avec ma classe au concours des petits champions de la lecture. Alors, on explique déjà aux enfants les règles du jeu. Alors, notre institutrice a demandé à ce qu'on choisisse un livre. Ça devait être un roman, c'est pas une BD, pas trop pour les petits, pas trop pour les grands. Ça doit pas dépasser 3 minutes 10. Chacun, on est passé au tableau et on a dû lire notre extrait. On insiste vraiment sur le fait que ça soit un livre qui doit leur parler. Ce que j'essaie de leur dire pour les encourager, c'est pas le meilleur élève de la classe, ou celui qui a cette image-là, qui va forcément être sélectionné. Et que chaque année, on a des surprises. Notre maîtresse nous donne comme conseil... Donc, regarder l'auditoire. Il faut qu'on emporte les gens dans notre lecture. Être resté calme. Elle nous dit de pas beaucoup bouger et de lire un peu haut, enfin, pour monter le volume. Ce qui fait chaud au cœur aussi, c'est de voir les réactions de la classe quand un camarade a choisi un livre qui fait peur ou qu'il arrive à bien transmettre l'émotion. Ils sont captivés, ils rigolent. Guilhem mourait d'envie de tenir dans ses mains le livre qu'il avait récupéré. Il alla dans sa chambre, ferma la porte et s'assit sur son lit. J'étais au coude à coude avec Holmes et je lui jetais un coup d'œil. Encore de l'arbre au chat ? Jeta-t-il soupçonneux. Je me demandais où tu étais passé. J'ai pas trop trouvé qu'il a regardé le public. J'ai bien aimé, mais j'ai trouvé qu'il allait un peu trop vite et j'ai pas tout compris. J'ai trouvé que c'était très bien. Et à cause des petits champions, ça m'a donné envie de le lire. Et donc je prends du plaisir à lire. Ça a changé que je lis beaucoup mieux, que je mets le ton, que je m'arrête au point, parce que d'habitude, je ne m'arrête jamais au point. Ensuite, on fait venir un jury composé de bibliothécaires, de comédiens. Ce jury sélectionne pour chaque classe le gagnant. Je vais vous présenter un livre qui s'appelle Cœur cerise. Ce garçon l'intrigue. Il ne l'inquiète pas. Le loup n'a peur de rien. S'il était le moins sportif de tous les garçons, il ne craignait par contre aucun vertige. Quand je suis passée devant les jurys, j'ai été beaucoup stressée. Ces petits champions de lecture, ça nous aide un peu à vaincre le trac. En fait, lire devant la classe, c'est pas... ça me... Donc, du coup, en fait, j'ai bégayé. Dès que j'ai commencé à lire, je me suis tout de suite emportée dans la lecture et j'ai plus vraiment trop ressenti le stress. C'est un grand moment parce que pour un élève, il y a le brevet des collèges, il y a le baccalauréat. Et là, c'est vrai, ça fait une sorte de chose un petit peu officielle. Et c'est un premier passage dans la vie. Je rêve d'arriver à la Comédie Française parce qu'on a tous des petits champions, c'est que des petits champions dans la classe. C'était bien d'avoir lu devant les autres. J'ai pu faire ressentir mon livre aux autres. Avant ce championnat, je n'aimais pas lire. Je dirais que de tester ce championnat, c'est vraiment génial. On a passé un très bon moment. J'ai adoré, c'est une expérience à tester. Rejoignez-nous!